Yo! Bah, c'est qui c'est? Encore? Et oui, toujours! Et pour la suite de Terra Enigma! Et on se retrouve après un épisode un peu chaotique qu'était le précédent, après un game over de merde que je m'étais tapé, et puis surtout une save state à la con qui m'a tout niqué à la fin de la vidéo. Ouais. Donc on se retrouve devant le Tibet! Enfin, devant la ville de Lhasa. Alors, on va aller voir ce que nous dit le fameux moine là, maintenant que j'ai récupéré les 5 pierres célestes. Voir s'il me dit où est-ce que je dois aller les foutre. J'espère qu'au moins il me donne une indication. Notre sort est un cercle immuable, hein, mais toi tu es différent, tu existes au-delà du cercle, trouve les puissances. Et mêlée, ça tombe au seuil du temps. La tombe au seuil du temps. Et avec ça, tu es censé trouver comment la suite du jeu. Non, parce que s'il faut visiter toutes les tombes, on n'en a pas fini, mon gars. Putain, heureusement que j'ai un ami qui connaît bien le jeu, à qui je tiens régulièrement au courant de mon avancée de Terra Enigma. Heureusement que j'ai quelqu'un qui connaît bien le jeu et qui m'a dit où je devais aller maintenant. Parce que sinon, je vous jure que ça serait la merde. Alors, juste 2 secondes. Baisser le son du jeu parce que c'est un petit peu trop fort. Même si la musique est excellente, j'ai pas envie de finir sourd. Bon, quoique franchement, en écoutant de la bonne musique, ça me serait égal. Donc, on continue. On est toujours vendredi pour ma part. Deuxième vidéo tournée de Terra Enigma. Enfin, en train d'être tournée plutôt. Je viens de sortir d'une conversation téléphonique de 2 heures avec mon ami Luca, mon ami Pyrux, qui est à l'armée actuellement. Un gros salut à toi, mec, et j'espère te revoir tout bientôt, en pleine forme, comme d'habitude. Alors voilà, on parle, pour ceux qui veulent savoir, on parle de tout et rien, on parle de trucs de mec. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, ça reste entre lui et moi. On parle de trucs pendant 2 heures, ouais, on a pas mal parlé. Non, puis ça fait toujours plaisir de lui parler comme ça et tout. C'est un ami avec qui j'ai énormément de con, enfin, avec qui je prends énormément contact et on se tient toujours au courant de tout. Et c'est vraiment un très 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 bon ami à moi. Bref, alors maintenant que je suis de retour. À ce niveau, enfin au niveau de l'Amérique, on va prendre le bateau et on va partir au pôle sud. Eh oui, parce que la prochaine destination, c'est au pôle sud. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est là où nous devons aller. Donc je te remercie, mon cher ami, tu te reconnaîtras. Un ami à moi. Non, il n'a pas de chaîne YouTube, je leur dis, c'est un ami à moi, IRL, comme ça, qui connaît assez bien le jeu. Et voilà, qui m'aide comme ça. Et heureusement qu'il est là, parce que bah, là, je savais pas du tout où aller. Du coup, il faut aller au pôle sud. Le pôle sud, bah, c'est le petit truc tout en bas. Oui, le petit machin blanc là qu'on voit tout en bas de la map monde, c'est ce machin. Donc, il faut aller là-bas. Et c'est là-bas qu'on doit poser les 5 pierres célestes pour faire avancer l'histoire. Bon, je l'ai pas demandé, mais j'espère que vous allez bien. Comme toujours, moi, ça va nickel chrome, que je viens de le dire. Bref, bref, bref. Alors, tic-tac, tic-tac, on va y arriver bientôt, je pense. Voilà, pôle sud. C'est un peu le bordel pour y entrer dans cette région. Voilà. On arrive à Drival. Et logiquement, bah non, logiquement je ne sais pas où je dois aller. On dirait une sorte d'hôtel. Ah bah voilà, c'est ici. Alors, on va s'équiper des 5 pierres célestes. Et logiquement, ça devrait faire apparaître un truc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a une pierre céleste en l'air? Donc logiquement, il y a 5 crânes pour les 5 pierres. Donc là, il y en a 3, 4 et le cinquième crâne. Où qu'il est, où qu'il est, où qu'il est.
pas que je sors de la région, ça serait con. Où qu'il est le cinquième crâne? 1, 2, 3, 4. Mais il est où le cinquième? Là. Voilà. Et qu'est-ce qui va arriver alors? Oula. Ah. Une voix murmure à Kizae. On dirait Kizae tout craché. Malgré les dangers, tu as survécu. Même blessé, tu combattais. Tu n'as jamais succombé. Sais-tu pourquoi? Car tu es le héros de la légende. Rien que ça. Je représente la lumière. Et toi, tu es l'ombre. On dit qu'on ne rencontre son double qu'une fois dans toute sa vie. Il existe deux Kizae dans le monde interne et externe. La résurrection d'Ivan a brisé l'équilibre de la Terre. Si l'histoire terrestre était une montre, l'heure indiquerait le 13. Une heure qui ne peut exister. Une heure qui ne doit pas exister. Maintenant, ferme les yeux et pense à la Terre. Ok, donc là je suis mort pour de bon. En gros, je dois pas exister. C'est bizarre quand même qu'on joue la représentation de l'ombre en tant que héros. Résurrection du héros. Ah, le quatrième chapitre. Ouh, là je pense qu'on va en apprendre une bonne chose. On va apprendre pas mal de choses là à mon avis. Ça va devenir assez intéressant. Ah. Oh mon Dieu. Mais ça attend. Oh mon Dieu, tu ne dors plus. Au fait, combien de temps cela fait-il que nous faisons équipe? Ce fut un choc quand je t'ai trouvé pleurant dans Stockholm. Tu ressemblais tellement à quelqu'un que je connais. Alors j'ai fini par te donner le même nom, Kizae. Tu dois avoir faim, je vais rapporter de la nourriture. Oula, attends, ouf, putain, attendez, alors là je pense qu'il va y avoir la master révélation. Parce qu'apparemment, je suis un bébé. Et là, il y a la Célina, la vraie. Maintenant, Célina, tue-le, n'hésite pas. C'est pourquoi tu as quitté Krista pour venir ici. Maintenant, ce bébé est sans défense. Grouille. Putain, attends, oh là là, il va se passer un truc de fou là, chant. Donc là, on est sur la Terre. Dans la maison de la Célina, la dauphine, qui sera la future dauphine. Hein? Que se passe-t-il? Apparemment, il y a la Célina, l'autre, donc le, celle de Krista, celle qu'on a connue au début, qui apparemment doit tuer, bah, qui doit me tuer moi. Étrange, un bébé ne disparaît pas comme ça. Kizae? Kizae, où es-tu? Célina,
N'hésite pas. Tu vas tuer ce bébé, oui? Pardonne-moi. Excuse-moi, que fais-tu? Oula. Qui es-tu? Tu as le même visage que le mien? Qui es-tu? Que fais-tu à ce bébé? Tiens, un invité de marque. Célina, tue aussi cette fille. Putain, me dis pas que c'est Yomi qui contrôle tout. Quoi? Kizae, Kizae, réveille-toi. C'est moi, Kavar. M'entends-tu? Tous les êtres vivants du monde attendent ton éveil. Écoute attentivement. C'est moi, Ra. Peux-tu m'entendre, Kizae? La terre souffre. Comme tu l'as fait pour moi, pitié, sauve cette planète. C'est moi, Lame, entends-tu ma voix? Le monde est devenu fou. Les animaux n'ont pas changé, mais les hommes ne sont plus les mêmes. Désolé, je suis obligé un peu de lire au ralenti, mais. Donne du courage au monde comme tu l'as fait pour moi. C'est moi, roi oiseau. Ok. Le ciel pleure et les larmes sont sales. Salées, je pense plutôt qu'il voulait dire. Hein. Nous ne demandons que de pouvoir voler dans des cieux clairs. En fait, le monde est totalement parti en couille, quoi. As-tu entendu leur voix? Tu ne peux plus leur parler, mais ils sont avec toi. Kizae, je te le répète. Tous les êtres vivants attendent ton éveil. Là, je vais redevenir normal, c'est ça? Putain, mais attends, mais c'était Yomi, le petit machin qui m'accompagne, qui voulait tous les tuer? Alors il est réveillé. Les représentants de lumière et des ténèbres ont dit qu'il était là. Attends. Les représentants de lumière et des ténèbres ont dit qu'il était là. Mes ordres viennent d'Agar de Krista. Après que Kizae a ressuscité Ivan, tue-le. Mais je t'ai laissé aller, pensant que tu trouverais le héros. J'avais raison. Une fois que je t'aurai tué, rien ne nous arrêtera. Grâce à Agar et à Dark Gaia, la Terre naîtra à nouveau. Dark Gaia? Tout juste. Les humains l'appellent le diable, je crois. Allez, Slina, tue-le! Au moins, Kizae n'a pas le courage de tuer ses amis. Hé, ce coup-toi, que t'arrive-t-il? Attends, mais j'ai pas compris là. Attends, non, j'ai pas compris. Yomi attendait les ordres de Hagar, donc il devait en fait me tuer après l'éveil du scientifique Ivan, c'est ça? Je désirais tant te voir.
T'oublier m'était impossible. Mais si j'avais su que l'on se serait rencontré ainsi, j'ai reçu l'ordre de tuer quelqu'un mettant en danger Christa. Je ne savais pas qu'il s'agirait de toi, Kisei. Ah, incapable! Assez, je vais le tuer moi-même! Yomi, que dis-tu? Nous voyageons ensemble depuis si longtemps? Kisei, ne comprends-tu jamais rien? Tu as été manipulé, Kisei, tu n'es qu'un pion. Désolé, adieu pour toujours. Les ordres d'Agar sont formels. Yomi crée un séisme. Kisa est paralysé. Alors, comment vais-je te tuer? Arrête! Les deux côtés de l'homme, lumière et ténèbres, se complètent. Yomi, nous devons disparaître. Laisse-moi, je ne peux désobéir à Agar. Kisae, pitié, sauve le monde de la surface. Ce monde est si beau, les hommes en prendront soin. Selina, que fais-tu? Arrête! Kisae. Je voulais être avec toi pour toujours. Adieu, Kisae. Oh putain. Célina! Célina n'a rien fait de mal. Pourquoi est-ce arrivé? Si je n'avais pas ouvert la boîte de Pandore, la paix aurait-elle vécu? Je ne comprends pas ce truc, externe et interne. Ça n'a aucune importance, n'est-ce pas? C'est suffisant de vivre heureux avec quelqu'un qu'on aime. Que sont devenus les jours tranquilles passés à Krista? Qu'on me rende mon ancienne vie! Bah bien sûr, Java, tu as tout gâché, connard de merde. Que dois-je faire? Oui, bon, je m'excuse, mais il y a Java qui était juste venu me troller un instant. Donc que dois-je faire? Après avoir vu tout ça, je ne sais pas quoi te dire, Kisae. Ne t'inquiète pas. Parle-moi comme tu en as l'habitude. L'autre Selina est peut-être partie. Mais dois-je aussi partir? Jamais je ne pourrai remplacer ta Selina. Mes sentiments? Des abysses de la surface. Oh putain, il faut que je choisisse une des deux Selina. Oh non. Ah merde. Oh putain, c'est un choix dur là. D'un côté, il y a la Selina qui... Ouais, c'est, on va dire, celle des abysses. J'ai vécu pendant longtemps avec Selina, à Krista. Je garde dans mon cœur beaucoup de souvenirs communs. Cette Selina-là s'est sacrifiée pour me sauver. Excuse-moi, mais je ne peux pas penser à quelqu'un d'autre. Tu as raison. Excuse-moi. Oui, je dois te dire quelque chose. Ce village a un vieux dicton. Un jour, un héros nous rendra visite. Il fera un miracle et détruira les forces maléfiques. Et ce héros, c'est toi. Dans cette boîte sont rangées les armes du héros. Je crois que Columbus les a découvertes pendant un de ses voyages. Il les cacha ici pour qu'elles ne tombent pas aux mains de l'ennemi. En gros, les villageois gardaient les armes légendaires. Voilà pourquoi le village fut détruit et Columbus torturé. Les âmes des villageois devinrent des loups pour garder les armes.
Le sang des hommes les protège. Toi seul peux les utiliser, Kisei. Va doucement et touche cette boîte. Le héros a enfin fait son apparition. J'en ai marre d'attendre, j'ai des courbatures. Oh, sans aucun doute, tu dois être le héros de la légende. Kisae, cette bestiole a essayé de te tuer il y a un petit moment. Ne sois pas bête, c'était le Yomi des Abysses, je suis de ce monde. Hé, pas le temps de tailler une bavette. Nous devons prendre ses armes et flanquer une recée à Ivan. Peut-être qu'en ce moment, une ville est en train de mourir. Et je reçois la lance du héros. Donc logiquement, la meilleure arme du jeu, l'arme ultime, je dirais. Et je reçois l'armure du héros. Donc logiquement, la meilleure armure. Oh putain. Ouh. Oh là là, alors là les gars. Alors là les gars. Fouah. Donc là, actuel. Donc si je comprends bien maintenant, je joue le héros de la lumière. Enfin le côté lumière quoi. Si j'ai bien compris. Alors, hop, armure du héros, pardon. Porte-arme, et on va s'équiper de la meilleure arme du jeu. La lance du héros. Voilà. Bon, en gros, si j'ai compris, donc il y avait deux Kisaï, quoi. Il y avait le Kisaï lumière et le Kisaï des ténèbres. En gros, depuis le début du jeu, on a joué, enfin, j'ai joué le Kisaï des ténèbres. Et vu que j'ai ressuscité le docteur Ivan, l'équilibre a été rompu. Du coup, maintenant, donc en fait, dès le début du jeu, Agar voulait me tuer. Et c'est pour ça qu'il m'a, en quelque sorte, envoyé indirectement chercher la boîte de Pandore avec Yomi, donc le Yomi des ténèbres, qui lui devait me tuer. Mais apparemment, il y avait Selina qui devait me tuer aussi. Enfin, elle devait aussi me tuer. Oui, elle devait me tuer parce que j'étais une menace pour le village, justement. Parce que je crois qu'en moi, il y avait quand même le héros de la lumière, mais qu'il n'était pas réveillé, en fait. Du coup, je crois que j'ai joué le héros des ténèbres, et le héros de la lumière était, en fait, endormi en moi. Et maintenant, je crois qu'il s'est réveillé. C'est pour ça que maintenant, j'ai le Yomi de la lumière, donc le gentil Yomi. Et en même temps, maintenant, je joue le héros de la lumière parce que j'ai les armes du héros légendaire. Pouah, putain, bon... C'est un peu chiant à comprendre, mais je crois que j'ai compris. Hein. Je t'attendrai ici pour toujours. Quand tout sera arrangé, reviens ici. Eh bah putain, la vache. Épisode de gros malade. Épisode de gros malade. Putain. Épisode de gros ouf quand même. Hein. Ah ouais, non mais là... Oh là là. Ah. Hein? On dirait que ce volatile a une lettre dans le bec. Kisae lit la lettre. Cette lettre est-elle arrivée aux mains de Kisae? C'est moi, Mewini. J'écris ceci en route pour la Sibérie. Kisae, es-tu au courant que tout Neo-Tokyo fut ravagé? On dit qu'un virus du nom d'Asmodeus fut utilisé. Il ne faut plus laisser faire Ivan, sinon le monde en mourra. Sous les ordres de Kavar, plusieurs compatriotes se sont réunis. Pour arrêter Ivan, nous sommes partis vers la tour du labo, en Sibérie. Voici notre équipe. Deni et ses épées magiques, Kalu l'ancien mercenaire, Perel le magicien au skateboard, et ma petite fille Meilin. Kisae, si tu lis cette lettre, viens nous aider. Retrouve-nous à la tour du labo, à l'est de la Sibérie. Meuni. Ok, bah c'est parti alors. Pouah, maintenant je dois être tellement cheaté. Donc voilà, c'est bien ce que je pense. Hein. Là, on est bien dans le monde de la lumière. Et là, je suis actuellement donc bel et bien en tant que héros de la lumière. On est d'accord. Pfff.
Oh là là, mais épisode de gros malade. Bon, par contre, maintenant, faut que je me retape toute la forêt en sens inverse. Ça, c'est peut-être un peu moins cool. Par contre, ouah, par contre, les dégâts que je fais... Oh, bon, tu vas me dire, c'est la lance des héros et tout ça, et tout ce bordel, mais... Quand même, putain de merde, quoi. Oh là là, et maintenant je fais ces dégâts de fou. Bon, maintenant il faut trouver la sortie encore. Ça c'est bien aussi. Maintenant je sais même plus la direction moi pour sortir d'ici. Ah ouais, ça va être bien par contre. Oh là là. Maintenant je ne connais plus du tout la direction pour sortir de là. Ouais, c'est bien ce que je dis, je ne connais... Putain. Ah, ça y est, maintenant il faut trouver la sortie. Mais putain, ils peuvent pas te mettre un truc pour sortir directement. Au lieu de te faire retaper tout le chemin en sens inverse. Non, parce que bon, c'est quand même un peu relou, quoi. Non, maintenant il faut que je me retape toute la route en inverse pour sortir d'ici, c'est un peu chiant quand même. Bon, heureusement que voilà, avec la lance que j'ai, je fais des dégâts de psycho, mais c'est quand même relou de devoir faire tout le chemin en sens inverse. Hein. Surtout que je m'en rappelle plus. Surtout que je sais. Putain, non, mais je suis. Oh putain, comment tu sors de là? Truc de fou, je suis perdu. Ah, non, c'est bon. Hein. Enfin, je crois que je suis pas perdu. Hein. Ah mais si, je suis revenu en arrière. Oh là là là, à 5 mètres de Stockholm. Putain. Non mais attends, comment tu retournes en arrière maintenant? Comment tu sors d'ici? Oh. Oh non, vas-y, il faut que je me refasse tout le chemin de psychopathe là. Oh non. Oh non, par pitié. Non mais c'est bon, putain. J'en ai déjà assez bavé une fois pour le faire, j'ai pas envie de tout me retaper de nouveau, quoi. Oh là là... Ah bah, je suis bien obligé, je crois. Relou, 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 relou. Bon bah... Pas trop le choix, hein. Bon, point positif, c'est que ça nous permet de réécouter l'OST. La très bonne OST, comme d'habitude. Ouais, mais bon, c'est chiant de devoir maintenant refaire le chemin en sens inverse. Ça par contre, c'est... Ça m'énerve, par contre, quand même. Ça, quand même, je trouve... Ouais, j'aime pas trop, quoi, le fait. Il pourrait faire en sorte de nous ramener directement... À l'entrée, quand même, je trouve. C'est la moindre des choses, au moins. Parce que là, maintenant... Le problème, c'est que maintenant, j'ai strictement aucune idée de par où je dois aller, quoi. Bon, bah, on va essayer de trouver, hein. On va essayer de trouver... Je crois pas que ce soit la forêt où il faut utiliser l'espèce de cloche là. Ou bien si, je sais plus. Ah, mais grillé là, allez, c'est bon. Si, voilà, là je me rappelle qu'il y avait les gros vers là, les gros vers de terre. Ouais, ça va, je suis pas trop loin de la sortie, il me semble. Enfin, de l'entrée plutôt. Après, ouais, faut encore la trouver, quoi. Putain, les dégâts de ouf que je fais maintenant. Bon, en même temps, avec l'arme ultime, tu m'étonnes, mais...
quand même, c'est des dégâts de fou, quoi. Oh, dégagé. Ouf, la thune, ça sert à rien maintenant, je pense. Sauf pour me racheter des objets de soins. Alors, par où je sors par là. Mais ça aussi, putain, ils peuvent pas te faire genre un petit raccourci qui te permette de, qui te permette quand même de revenir plus vite vers l'entrée, non, rien du tout. Ah, dégage la chauve-souris là. Logiquement, j'arrive bientôt à l'entrée. Hein. J'espère. J'espère. Yes, c'est bon. Wouhou! Bah putain! C'était un peu useless tout ça quand même. Hein. Enfin, je veux dire, il pourrait quand même faire un geste, nous faire sortir de la forêt, quoi. Ça serait quand même le minimum sympa. Mais bon. Ouais, bon, on va pas cracher. Alors, je vais juste par contre, aller réacheter des objets, parce que j'en ai besoin. Alors. Tac. Et surtout ça. Voilà, surtout des objets de soins, c'est ce qu'il me fallait. C'est ça l'hôtel? Au pire, juste se reposer. Hein. Non, ça c'est l'inventaire de je sais plus trop quoi. Ouais, juste me reposer quand même. Histoire d'avoir tous les HP à fond. La chambre du côté au premier étage. Clairement, maintenant les auberges, elles ont des étages et tout. C'est les putains d'hôtels trop cheatés de la mort qui tue. Avec une télévision. Pas mal. Et le téléphone, bien sûr. Ah bah, il faut bien un téléphone hein, quand même, faut pas déconner non plus. Voilà. On est requinqué et prêt à partir. Oh là 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 là. Eh ben quand même. Ah non mais là, épisode de ouf quand même. Hein. Niveau révélation. Ah ça fusait là. Putain les révélations de malade qu'on a apprises là. Waouh. Bon. Par contre faut aller en Sibérie. La Sibérie, je sais pas trop où c'est. Ils avaient dit à la tour de je sais pas trop quoi, non? Ouais, ils avaient parlé d'une tour à l'ouest. Bon, on verra. Je pense qu'il faut aller en avion. C'est la Sibérie, bah logiquement. Enfin, logiquement non, mais je pense que ça va être en Russie. Alors il me faut juste trouver. Ah ouais, non, mais piste d'atterrissage, j'en ai pas des masses. Ça, pour ça, il faut aller aux States. Alors allons aux States. Et puis on continue encore un moment. Bon, de toute façon, je vais peut-être pour ce vendredi soir, je vais peut-être tourner encore une autre vidéo. Parce que bon, après j'ai encore le boulot demain. Mais après le samedi, ouf, le samedi, je vais t'enchaîner les vidéos, mais un truc de psychopathe. Comme ça, après, j'ai plus qu'à monter, tout uploader. Et après, bah, on peut faire le live pour l'épisode final. Allez, go! Bon, alors, faut aller en Sibérie. On va essayer de la trouver, cette Sibérie. Gobi, ouais, mais le Gobi, c'est quoi? C'est ici, la Sibérie? Ah, c'est ça, ouais. Ah, ça doit être ça, l'espèce de tour dont il parlait. Ah, maintenant, c'est comment je m'y rends hein. Alors, attends.
normalement, logiquement, ouais voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Faut partir vers le nord et on y va. Hop, c'est bien ce que je pense. Donc, on part par là et direction le nord pour la Sibérie, tout simplement. Bon, je sais pas si on avait visité cette région auparavant, mais je vais le faire quand même un petit peu, même si, bon, techniquement, maintenant, ça me sert un peu à rien. Mais on va le faire quand même, histoire de d'avoir tous les trucs. Ouais, on va dire, histoire de trouver, genre, de l'argent encore ou autre. Même si ça se trouve, il n'y a rien. Oh, putain, ça s'en fout. Alors là, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une grotte. Ah ouais, d'accord, je perds 22 HP comme ça, cash. Bah putain, il dégonne pas. Hein. Mais j'ai un truc à faire ici. Je pense que c'est une grotte bonus, mais... visiblement, j'ai rien. Peut-être là, on va. Pff, à tous les coups, ça va être un Magirock. Ah non, un coffre. Bâton Protect. Ah bah, une arme encore. Bon, maintenant, j'ai la lance du héros, ça me sert à rien, mais... peut-être que pour l'époque, ça aurait... enfin, peut-être qu'à un moment précis, ça aurait quand même pu m'être utile. Mais bon, maintenant, c'est vrai que j'ai l'arme et l'armure du héros. Ça me sert un peu à rien, quoi. Bon, on va traverser toute la Sibérie, grosse région de neige. Pour finir ici, logiquement, je pense que c'est là. Tour Lab. Le CRPRL, j'ai le code divin. Hé, c'est génial. J'ai l'impression d'être invincible. Facile à dire. Ah, tout de même. Voici la tour Labo d'Ivan. Il y fait des travaux abominables. J'ai l'impression que quelqu'un contrôle Ivan. Il dit qu'il ressuscite le monde avec l'aide d'un être des abysses. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais nous devons l'arrêter. Maître Kavar dit que seul Kizai peut nous sauver. Allons, nous ferons tout pour remplir notre mission. Allez, Perel. Entrons par des portes différentes. Kizai, je laisse Méline prendre soin de toi. Maintenant, je vais enfin me servir. Kizai, ne m'alentis pas. Ok. Bon, mais avant quand même d'y aller, je pense qu'on va terminer quand même l'évolution des villes. Je pense qu'il me reste pas grand-chose à faire à Nearley qui est à Sydney. Donc avant de m'attaquer à la suite du jeu qui a l'air surtout d'arriver vers la fin, je vais augmenter les villes. Donc j'enchaîne un troisième et dernier épisode pour ce vendredi soir. Allez, donc pour moi à tout de suite et pour vous à la prochaine. Bonne soirée tout le monde, bye bye.